Bonjour à tous, on a une chance exceptionnelle. Nous sommes à Collectif, c'est la 20e édition déjà. Et pour parler de la 20e édition, on a Thierry. Comment tu vas Thierry? Bien, bonjour à tout le monde. Comment ça, bon, va, ça toi? Ça va, oui, oui, c'est la préparation de cette manifestation donc Collectif que certains d'entre vous connaissent déjà. On voit, il y a du monde derrière Thierry. C'est bien, là, déroulé, ça. C'est bien déroulé dans l'ensemble, je dois dire. Ouais. À part un petit changement de dernière minute qui a fait en sorte que la commune d'Ilbeek nous ait imposé il y a à peu près 2 semaines le pass sanitaire par une lettre que j'ai reçue dans mon courrier. Donc là, j'ai dû adapter le lendemain un mailing parti à un grand nombre d'entre vous pour dire voilà, il faut un pass sanitaire. Et 5 jours après, il y a eu une volte-face qui a fait en sorte qu'on a quand même pu obtenir la dérogation de ne pas devoir le présenter, ce qui était évidemment beaucoup plus simple pour tout le monde. Mais j'ai vu que les gens ont répondu. Voilà, ça s'est quand même bien déroulé après, malgré tout. Mais on a quelques défections d'exposants qui venaient de loin, hein, qu'on a parfois qui viennent d'Italie, qui viennent d'Espagne, d'Angleterre ou même des États-Unis ou du Japon. Bon, qui cette année ont fait l'impasse sur l'événement, mais malgré tout, tous les pays limitrophes à la Belgique ont bien répondu présents. On a des exposants luxembourgeois, des exposants français, néerlandais, allemands. Une ou deux nationalités que j'oublie de vous citer, mais dans l'ensemble, ça s'est bien présenté. Vous voyez derrière moi des... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ils ont répondu présents, tous. On a 400, presque 400 tables, 385 tables louées, et des exposants, oui, qui sont quand même généralement chacun un petit peu des spécialistes dans leur branche. Donc c'est ça qui est intéressant. Les uns vendent plutôt de la Dinky Toys, d'autres des jouets en tôle du robot allemand, des jouets d'espace ou du robot, voilà. Le comics bien sûr, des figurines, ça peut être des soldats en plomb. Mais ce qu'il faut qu'on comprenne bien, c'est un travail toute l'année, toi. C'est un travail, tu vas voir tous ces gens toute l'année et tu les. Ça fait de nombreuses années que moi-même, comme je suis collectionneur, je vais dans les bourses, hein, donc je les côtoie régulièrement. Les dernières fois où je me suis rendu pour faire de la publicité, c'était bon, par exemple fin du mois de juin, je suis allé à Tannes dans les Vosges pour assister à la bourse Thierry Dingler, qui est aussi évidemment un exposant présent. Voilà, c'est grand derrière, il y a du monde derrière. Et le salon où je me suis rendu en dernier lieu, c'était maintenant la semaine passée en France, donc à la frontière à côté de Lille, à Wambrechy, qui est aussi le salon organisé par un ami, voilà. qui gère le musée du jouet et de la poupée, donc là-bas, qui est un très long musée, et qui organise sa bourse annuelle, donc on a très bien pu également y participer. Tu es venu à Oupay, hein? On t'a vu à Oupay. Oui, c'est même passé à Oupay. J'irai faire un petit saut jusque-là, parce que j'aime bien aller dans les activités qui tournent autour du monde du jouet. A fortiori, quand le thème m'intéresse, j'essaye de trouver un petit créneau pour y aller. Là, les prochaines semaines vont être un petit peu récupération, parce que j'ai quand même pas mal puisé dans mes réserves pour mettre tout en place. C'est un gros bazar. 2021, oui, sûr, voilà. 2021. On est en 2021. Non, mais 2021, c'est sûr, c'est fait, c'est bon, t'es satisfait. On est en 2021 avec un bilan, je vais dire, voilà, qui est quand même correct. On est avec un bilan correct. Je vais faire les analyses plus détaillées, plus approfondies, une fois que j'aurai bien sûr tous les chiffres. Parce qu'on parle de 2021, car 2020, malheureusement, il n'y a pas eu. Donc voilà, là, on est quand même passé le cap de la 20e édition, voilà, puisque vous l'avez ici derrière vous. Vous voyez bien que les exposants ont répondu présent. On a un hall qui fait déjà quand même, ça il faut bien s'en rendre compte, 5000 m2, c'est un demi-hectare, c'est l'équivalent d'un demi-terrain de football couvert. On a 2000 places gratuites de parking ici, juste à côté. Bon, quoi dire. Alors, si 2021 était bien, hein, parce qu'on peut dire qu'elle était bien 2021. J'espère, je l'attends, voilà. De voir un petit peu ce que diront les exposants dans les prochaines semaines. On va te retrouver en 2022 Théoriquement, on essaye de garder la date du premier week-end d'octobre. Hein. Depuis le début, je m'accroche à une date parce que je pense que c'est traditionnellement ma façon de fonctionner. Dans le marketing, c'est plus facile de garder un créneau dans le calendrier. Si on a des décalages suite au Covid qui font que certains autres organisateurs d'événements ont peut-être un petit peu déplacé leurs propres événements et pour tomber ce même week-end ici que celui du premier week-end d'octobre. Mais bon, dans la pratique, je constate quand même que ne pas trop changer de créneau horaire et de date, c'est mieux dans la pratique. 20e édition, oui, ça sera pour 2022 alors. Donc théoriquement, on est programmé pour le premier dimanche d'octobre en 2022, oui. La demande est déjà introduite auprès de la salle ici. En tous les cas, félicitations parce que je vois, hein, c'était du travail et tu prends du temps ce coup-ci pour nous parler pendant la bourse, ce oui, qui est rare. Non, je fais le maximum de service, je rends le maximum de service à tous mes clients et aussi bien sûr aux journalistes ou à ceux qui s'occupent de communication, hein, dont toi tu fais partie, merci Richard, donc je dois te citer aussi. Mais c'est vraiment un plaisir de pouvoir recommencer à mettre le pied à l'étrier parce que pendant quand même on en avait tous envie, hein. On avait tous envie.
fatigue d'attendre et de voir que bon, on n'avait rien fait. Alors que vous voyez bien qu'ici, dans le masque, en mettant du gel sur le stand, je pense que les choses se déroulent. Oh là là, on va le remettre, on va aller voir tous tes clients, voilà. On va aller faire un tour. On a plus. On te remercie mille fois, Thierry, d'avoir pris ce temps. Sans félicitations. Problème. Avec grand plaisir. Parce que l'avantage de Thierry, il ne va pas le dire, il l'a dit vaguement vite tout à l'heure, tu es quand même un passionné, un très grand collectionneur aussi. Oui, on ne fait pas ça par, cupidité. Hein. Dans l'absolu, je ne compte pas mes heures, voilà, parce que ce n'est pas le but de la manœuvre. Mon but n'est pas de m'enrichir avec ça. Simplement, je suis. Depuis donc maintenant presque 39 ans, rentré dans le créneau de la collection, en ayant simplement découvert un jour ce secteur par l'intermédiaire des premières brocantes qui avaient lieu à côté de ma commune. Et en fouillant dans une caisse, j'avais trouvé une petite voiture de Dinky Toys, une Matchbox, c'était plutôt Matchbox d'ailleurs, que j'ai acheté. Et puis après, il y en est venu une deuxième, une troisième, toute une étagère. Et puis c'était un camion de pompiers en tôle, je trouvais ça sympa. J'étais encore étudiant, hein. Mais comme j'ai pratiqué la prestidigitation à l'époque, j'ai fait de la magie, j'avais un petit peu un œil aussi sur ce qui se trouvait exister dans le domaine, dans le monde magique en fait. Donc j'ai une petite collection d'objets aussi ayant trait à la magie que j'ai chiné dans des brocantes, des foires, des salons, des festivals de magie. Et de fil en aiguille, j'ai comme ça un peu rencontré ce monde de la collection. J'étais à la recherche de ces affiches anciennes, d'illusionnistes, etc. Et les deux thèmes se recoupent parce que j'ai finalement déjà peut-être une trentaine de coffrets de boîtes de magie jouées qui remontent toutes entre le milieu du 19e siècle et le milieu du 20e siècle. Donc sur une période qui couvre à peu près 100 ans. Ça, c'est une de mes passions aussi. Magnifique Thierry. On va aller voir un peu la bourse, comment ça se passe. Parfait. Un grand merci à toi. Voilà. Et nous, on va remettre le masque et on va partir en balade. Merci à toi. Merci beaucoup. Allez, voilà, c'est une exclusivité. On a eu Thierry en interview, ce qui est rare. Alors on fait attention parce qu'on est dans un escalier. Car là, on est au cœur de l'événement en ce moment de Collectit. Et je vous invite donc à suivre avec moi toutes les tables et tout ce qui se passe. Allez, c'est go. Moi, je mets le masque et on retourne la caméra. Allons-y. Si la caméra veut bien. Alors, nous voilà. La caméra s'est bien retournée. Nous sommes à l'entrée du salon. Ça se passe comme ça. On arrive, nous avons les caisses. Après l'interview de Thierry, nous sommes heureux de vous faire voir cet événement, 20e édition. Alors, vous le connaissez hein, sur Action Toy, Kidul Conso, on vous en passe régulièrement des photos. Voilà, alors, Collectit, 20e édition. Beaucoup de gens, beaucoup de toy, beaucoup de monde. Alors, le pass est recommandé vivement. Nous avons eu la chance quand même de passer à côté des restrictions hyper sélectes, hyper dures. Mais c'est pour le bien de tous. Alors, vous avez toutes ces allées avec tous ces marchands. Donc, la 21e édition sera l'année prochaine, en 2022. Là, je vous emmène directement voir nos amis qui sont avec nous, qui font cette ambiance. Allez, c'est parti. Nous allons déjà voir André. Voilà, il y a du monde encore. Nous sommes en plein cœur de l'événement. André, voilà. Responsable pour la Belgique d'Action Toy, bien sûr. Le Pixel Museum, ici, avec la publicité du Pixel. Les meilleurs, Darkstar et Rebels. Alors, ils sont là. On tient à remercier, sous le masque, Andy. Andy, c'est le Big Boss, c'est le président. Son vice-président, John. Et bien sûr, toute la team, ils sont là. Vous les avez vus à Oupay, vous les reverrez très prochainement. Regardez les yeux qu'elle a. Aïe, aïe, aïe. Bon, en tous les cas, ils sont là, ils sont ensemble. Lui, et il tire toujours de travers, hein. Il tire toujours à côté, donc c'est normal. Et voilà, ils sont là, ils sont avec nous, comme d'habitude. Le stand, n'hésitez pas, regardez. Vous pouvez venir lors des prestations au Pixel Museum. Et ils sont là ensemble. Alors, on en a d'autres des amis avec nous, on en a plein d'autres des amis. On va aller voir maintenant 68 Art Auction. Alors, l'avantage de 68 Art Auction, c'est une société, c'est une salle de vente. 68 Art Auction, c'est les professionnels. 68 Art Auction, vous l'avez déjà vu, ils ont leur playlist chez nous. Mais en plus, ce sont des gens qui aiment le jeu, le jouet, et qui nous font découvrir la collection en permanence. Et ils nous font toujours des très belles ventes. Allez, on vous fait voir un des dirigeants, Arnaud, qu'on avait déjà vu. Comment tu vas, Arnaud ? Bien. Voilà, donc Arnaud est toujours là, Michel Pincard c'est pas loin. Ça, ce sont des objets que vous allez retrouver prochainement dans les ventes. Je rappelle cette prochaine vente, hein, le 10 octobre prochain les amis, 10 octobre prochain, attention. Nous continuons cette balade, vous avez vu, il y a du comics, vous avez tout ce que vous voulez en comics. Vous avez vraiment, vraiment du peuple, vous avez du jeu, du jouet,
Alors là, c'est exceptionnel, c'est cool. Vous avez Playmobil, vous avez les action figures reproduites en version collector, résine. Et on a connu dans le passé le blond de l'IN. Alors vous avez vraiment de l'activité ici, vous avez vraiment du monde. Et c'est vraiment chouette de participer à ce genre d'événement. On en avait besoin, ça fait plus de 2 ans quand même qu'on attendait ce retour. Et là, effectivement, vous avez quelque chose de concret. Voilà. Alors cette balade collected, vous aviez déjà eu des reportages, des vidéos. Ben, alors regardez, il y a des super belles petites pièces, il y a du train, du robot, il y a vraiment de tout. Moi, je vous conseille en 2022 d'être présent, d'être ici avec nous. Allez, on va retourner la caméra. Voilà, je suis content vraiment d'avoir fait cette balade avec vous, de vous avoir présenté Thierry en live, comme ça à l'arrache pour son interview avec tout le salon que vous pouviez voir en fond, de vous avoir en plus refait découvrir, ou refait voir, ou une fois de plus si vous ne l'avez pas découvert, mais Darkstar Rebel, 68 Auction, regardez toutes ces tables, tous ces jouets, allez, je vous redonne un petit coup. Voilà, vous avez vraiment de super choses ici, c'est magnifique. Vraiment, on en a pour le plaisir des yeux et maintenant, on peut l'acquérir. Alors moi, vous avez vu, on a le masque, on fait gaffe, on fait quand même attention. C'est une des consignes quand même et on a vraiment du jeu, du jouet ici. C'est vraiment le délire, on est vraiment dans l'ambiance. Alors, dernier petit passage sur un stand quand même, on va essayer de vous faire voir. Il est ici, c'est le carnet du collectionneur qui joue le jeu avec nous au niveau des articles, des publicités. Allez hop, je vous le fais voir. Donc, carnet du collectionneur, un de nos partenaires réguliers, avec sa revue mensuelle. Et si on prend la revue et qu'on regarde dedans, vous allez voir nos publicités. Vous avez carrément toutes les dates avec chez Brock Evans, notre partenaire. Mais vous avez aussi toutes les dates de la prochaine grosse activité qu'on aura très rapidement, le 10, 11 et 12 décembre prochain pour le premier festival Pop Culture. Tout ça à découvrir régulièrement dans la revue Le Carnet du Collectionneur. Et je vous incite à franchement vous y abonner. Voilà, il est partenaire, il est avec nous. Donc, voilà, vous avez vraiment des beaux stands, vous avez vraiment des beaux jouets à voir de partout. Ah, on a quelques beaux toys ici que je vais pouvoir faire voir aussi. Ce n'est pas une légende, hein, cet homme existe réellement. C'est un grand collectionneur, c'est un grand passionné. On veut lui faire voir quelques petits extraits d'images. Voilà. Il est souvent discret, mais c'est un collectionneur réputé, averti. Et il a toujours de très belles pièces. On va garder son nom secret, vous me le demandez et moi en privé, je vous le redonne. Il n'y a aucun souci. Voilà. Il y a vraiment de très belles pièces et c'est magnifique. Il a vraiment l'art de la chaîne, il a vraiment du bon goût. Je vous donnerai ses coordonnées en privé. Allez, on continue cette balade. Vous allez voir plein de choses et franchement, c'est assez exceptionnel. Voilà, c'est collected, c'est comme ça. Vous avez déjà 12 minutes de visibilité sur plein de choses. Moi, je vous conseille, voilà, une dernière fois de venir en 2022, car c'est qu'une seule fois par an. On va remettre le masque, voilà. Je vous ai fait l'interview de Thierry, je vous ai fait la balade, c'était Collected, c'était l'édition, la 20e, c'était l'anniversaire, c'était les 20 ans de Collected. Allez, sur ce, ciao à tous